Salut à tous, cette vidéo est un re-upload d'une ancienne vidéo de la chaîne du Lessi, que Jessie et Jess et Léa ont décidé de suspendre. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concept un peu original, ce qu'on pourrait dire. La vidéo consiste à deviner les objets que l'adversaire va te faire deviner tout en fermant les yeux. Est-ce compris? Moi, j'ai tout compris. Alors, on va faire maxi 5 objets chacune. On verra à peu près autant qu'on met pour deviner. Voilà. On a droit à trois propositions. Ok, ça marche. Trois propositions et si c'est perdu, bah le point sera à l'adversaire. Ça marche. Et si on gagne, bah, le point est à nous. Et puis voilà. Celui qui a le plus de points gagnera. Yes. Ça te va? Qui commence? On fait un chifoumi? Vas-y. Vas-y, sûr. Attends, celui qui gagne, il fait deviner à l'autre, c'est ça? Oui. Le gagnant va faire deviner. Ok. Vas-y. Le perdant. Vu le perdant, il ferme les yeux. Voilà. Ok, ça marche. Chifoumi. Chifoumi. Ah! Aussi, on va faire deux fois la pierre, bah, si ça va être chiant. Je suis trop intelligente. Et bah, tu vas aller faire deviner? Ouais. Et bah, on se retrouve tout de suite. Prends tes mains comme ça, comme un bol. Un bol. Voilà. Ok, c'est parti. J'allais dire une brosse, mais attends. Ah. Attends, mais j'ai envie de le péter le truc, parce qu'il y a des fils et tout. Des. Un bateau? Ouais. Ok. Bravo. Finesse, franchement. J'ai senti les trucs, je me suis dit, attends, je vais le péter et tout. Mais moi, j'y crois. C'est pas grave. Elle a trouvé du premier coup. Eh ben, ça fait que c'est un point pour moi. Elle est trop forte. Pour l'instant, zéro pour elle. Et maintenant, c'est à moi d'aller chercher un objet. Et tu vas aller fermer tes petits yeux. C'est un gros objet, là. Ouais, faut. Attends. Lève un petit peu. Lève un petit peu. Non, mais ta main, c'est juste parce que par rapport à la caméra. Ah, voilà. Je crois qu'il fallait que je lève ma main. Non, c'est bon. Vas-y. Déjà. Vas-y. C'est plat. Un peu lourd. Ah, des boutons. Ok. Attends, ça s'ouvre. Ok, c'est ma Nintendo. Bien joué. Tu peux rouvrir. J'ai reconnu grâce au bouton. Hey. Et un point de plus pour notre chère Léa. Un point chacune, hein. On est forte. Franchement, là, pour l'instant, on s'en sort pas mal. Je viens de penser. J'ai vu l'étendoir à linge de ma mère. Je me suis dit, je vais lui ramener l'étendoir à linge juste après. Mais non, c'est un si gros truc qu'on peut pas. Mais non, on va lutter. Et ben, elle va partir pour son deuxième objet. Et moi, je repars dans ma nuit. C'est parti. Tant tes mains. Déjà oui. Tant, c'est bon. C'est un lourd objet. Ouais, alors je peux pas lire à travers, par contre c'est une boîte, mais c'est fragile ou pas? Non. Ok. J'allais dire une boîte à croquettes, mais... Ah non, mais t'es pas loin. Franchement, t'es pas loin. Ouais, c'est une boîte, c'est sûr, mais... Je pense que ça se mange ou pas à l'intérieur? Je pense qu'il y a des piles, il y a de la nourriture, il y a quoi? Oui, il y a de la nourriture, mais c'est ou pour les humains ou pour les animaux. Mais vu que tu m'as dit que c'était pas pour avoir dire que les animaux, des Kellogg's? Non. Après, la boîte serait bizarre, ce serait des Kellogg's. Bon, je suis pas sûre que tu l'as trouvé en vrai, mais vu que t'as dit que c'était une boîte, on va dire que t'as trouvé déjà. Ouais. Déjà, ça, je vais essayer de trouver à l'intérieur. Vas-y, mais... essaye de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le lave-vaisselle? Non. Non. Ça se mange. Ça se mange. Alors, je me dis, c'est pas des Kellogg's? Alors, les Kellogg's, ça se mange? Une boîte avec des trucs qui se mangent à l'intérieur. Une boîte de chocolat? Non. On s'en rapproche. À bonbons, alors? Non, on s'en rapproche aussi. À biscuits? Non plus. Enfin, un gâteau, quoi. Tu vas y arriver, hein. J'ai tout fait.
C'est sucré, c'est salé. C'est sucré. Et ben, je te le dis. Non. Je te montre que je viens de faire la base. Gâteau. Montre bien là, la caméra. Je sais pas. Ah oui, la caméra est de. Je sais pas, ça je vais je leur montrer. Vous allez comprendre pourquoi je lui dis ça. Franchement. Elle a déjà trouvé parce que genre, elle passe à côté. Mais pourtant elle l'a dit à la fois. Gâteau? Non. Biscuit? Non. Bonbon? Bon allez, je te dis. Galette? Je te dis. Vas-y. Tu peux ouvrir les yeux. Tu vas comprendre pourquoi c'est sucré. Ah! Une boîte à sucre. Ok, oui. Oh, mais voilà. Ça se voyait comme ça en vrai. Après, j'étais peut-être comme ça. Bah, ça se voyait quand même. Une boîte à sucre. Forcément, c'est sucré. Ouais, bien joué. Après, je sais pas, est-ce que tu accordes le point? Je t'accorde le point, vu que t'as dit dès le début que c'était une boîte. Ouais, ça marche. Bah, 2-1, et c'est à moi d'y aller. Ah oui. À chaque fois, je vois un truc, je me dis, bah, vas-y, je vais prendre ça. Et au final, elle prend rien. Mais au final, je prends rien, quoi, parce qu'il y a trop de choix, alors ouais. Je sais pas trop. Ah, tu vas rien près de moi, tu vas me donner l'objet, là, je pense, non? Oh, tiens. Putain, qu'est-ce que c'est? Oh, arrête! Ah, c'est dégueulasse, on dirait une araignée, genre. Ah non, non, on dirait une bête. Ah, c'est visqueux un peu. Non, j'aime pas ça. Elle est touche. Ah, c'est gluant. Touche, touche. Oh, dirait un mini serpent ou une araignée. Ah, j'aime pas, c'est quoi? Ah, attends, la caméra, elle voit là. Ah. Oui, c'est bon, elle a vu, bon. Elle a vu. Normalement, elle a vu. Mais qu'est-ce que c'est quoi cet objet? C'est petit. Hein. Ah, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. C'est un câble, un fil. Non. T'as dit que ma première proposition, c'est ça, c'est un fil. Ok, ça marche. T'en restes plus que deux. Donc c'est pas un fil, tu m'as dit. Non. C'est un fil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un fil. Ah, ok, j'ai capté. C'est une pince à linge. Oui, bien joué. Yes. On dirait trop un truc gluant. Quand elle le pose, on dirait un mini serpent que t'as dans la main. Ou les pattes d'une araignée qui viennent là. Ah, c'est horrible, franchement. Ah. Cet objet-là, quand on le voit pas, il fait très peur. Après, en même temps, la texture, c'est pas comme tous les pinces à linge. Ouais. Ouais, chez moi ils sont pas comme ça, alors c'est plus facile à... Je pensais que c'était un fil parce que je sentais ça. Ah oui, ok, non, c'était la brossoire. Et bah ça fait 2-2. Et j'ai bah, eu chaud, hein. J'ai failli ne pas donner. Mais... Je vais aller partir faire ma nuit. Allez, je te dis à tout de suite. Vas-y. Je branche le petit micro. Et me voilà de retour. Ça me fait Vas-y, je l'attends. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Bon, c'est passé, c'est un fruit. Quoi comme fruit? Une orange. Ouais. Ok. Ah punaise, elle est forte. Franchement. Voilà. En plus, c'est marrant, les oranges, c'est plus gros que ça. C'est pour ça. J'allais te dire une clémentine ou. Ah mais là, je ne connais pas. Les clémentines, les mandarines, les oranges, les prunes, les. J'allais te dire. De la grosseur, c'est une petite orange. Tranquille, quoi. Toute sage, tout le monde. Ça se reconnaît. On aurait dit un peu une peau, tu vois. Sur... La peau de quelqu'un qui a des boutons. Un collégien. Je t'ai ramené un collégien. Salut collégien, ça va? Et bah 3-2. Allez, je pose ça là et je vais faire ma nuit. Oulala. Je vais faire tomber la petite orange. Et bonne nuit. Bonne nuit. T'es prête? Oui. Attends, je reprends le micro, mais. Prête? C'est parti. Oui. Ah putain, qu'est-ce que c'est ça? Vas-y. Ah, c'est aussi c'est visqueux encore. Ah oh, non, 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 non. Oh, j'aime pas que... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est plat. Ah, il y a des fils. Oh, c'est... Une prise? Non. Une prise orange. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, une manette de Wii, enfin pas la manette, mais genre, je sais plus comment ça s'appelle, le petit truc là qui va avec la Wii. Ouais, c'est pas ça? Ouais. Le nus. Elle y est presque, elle y est presque. Je sais pas comment on dit, un nus. Un truc comme ça, mais oui, t'as juste, bon, c'est ça. Ah, voilà. Et eh ben elle a juste. Ah, c'était gluant ça aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est la... t'as la matière, je sais pas où elle est là.
Attends, devant peut-être. Non, ah, j'ai cru que c'était une prise, ça. Ok. Ça sentait comme une prise. Ouais, c'est quand j'ai capté des boutons, j'ai fait ah. Ouais. Yeah. C'est facile. Hein. Allez, à toi de faire ta nuit. C'est le quatrième objet là. Ben, on est à 3-3. Ouais, donc c'est le quatrième. Prends tes mains. Ah, déjà. C'est rapide, toi. Ah, mon petit micro. Ça se voit pas dessus, hein. Non. Je rebranche le petit micro. Attends, c'est un tout petit truc, hein. T'as le temps de brancher ton micro et tout. Attention, sur devant. C'est quoi ce truc? Ah, y'a. C'est quoi ça là? Ça pique? Ça pique pas? C'est doux? C'est quoi? Ah, tu m'as sorti une plante. Attends, mais. Après, tes plantes, je connais pas tes plantes. Non, moi non plus, je les connais pas. J'ai pas envie d'abîmer ta plante. Au moins, c'est une plante. Voilà, c'est une plante. Mais j'ai pas envie d'abîmer après. C'est pas nos mignons. Je crois que c'était un mignon, moi. Je sais pas, là, c'est en train de pousser ici, là. Ouais. Là, ici, là, je sais pas si vous voyez, mais ici, ça pousse, là. Un peu de. Ouais, il y a des fleurs. De fleurs, je sais pas. Mais bah, là, c'est une plante, hein. Parce que je connais pas après la même plante. Franchement, je pensais que t'allais dire genre une compote et tout. Non, mais en fait, j'ai senti des pics, je me suis dit, c'est quoi? Elle est maligne. Si, attends, tu m'as sorti un truc, des bâtons, je sais pas, moi. Mais voilà. Moi, j'aurais pensé à une compote au début avec le pot et tout, je sais pas. Si jamais vous avez trouvé. Ce que c'est comme plante? Bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Du coup, elle est forte. Franchement, elle est forte. En vrai, ouais, je pensais pas que c'était si facile ce truc. Je pensais que. Je vais aller chercher un objet et tu vas aller faire ta bouche. Prête? Prête? Ah, qu'est-ce que. Oh non! Oh non, mais elle a marre. Ah, qu'est-ce que non! Oh putain, qu'est-ce que. Ah, c'est froid et c'est gluant encore. C'est gluant? Je savais pas que ça pouvait être gluant. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est ça encore? Ah! Non! Oh merde! Elle a tout lâché! C'est un échec. Ah, t'avais mal les yeux. Bah oui, du coup, vas-y, me fais pas. Tu fais glisser. Bon, bah, point pour moi, hein. Point pour elle. Ça me fait 5, voilà. J'ai... Mais qu'est-ce que. C'est une fourchette. C'est gluant, en fait. Mais c'est pas gluant, c'est une fourchette. Le froid, ça fait bizarre, ça fait gluant dans les mains. Il y a un serpent, là. C'est une fourchette. Avec moi, tout est un serpent en fait. Une pince à linge, c'est un serpent. Une cuillère, une fourchette, c'est un serpent. Je sais même plus comment on dit une fourchette, genre une cuillère, n'importe quoi. Bon, on passe à toi. Faut que je récupère un point là, hein. Attention. Ton dernier objet pour toi, et après moi, il me reste encore un objet. Allez, t'es un objet. Prête ? Vas-y. Qu'est-ce que c'est synchro. Tu trouves cet objet là? C'est propre au moins. Oui, c'est propre. Attends. Un bout de doigt, un autre bout de doigt, un autre bout de doigt. Ah, déjà il est fort. Déjà il est sur la bonne piste. 4, 5. Déjà c'est un gant. C'est un gant pour ton chat. Pour caresser ton chat. Elle est forte. Franchement, elle a trouvé genre. J'aurais jamais cru que tu allais trouver ça. Ouais. Ok. C'est des gants pour caresser les chats et leur enlever les poils parfois qu'ils ont de trop et tout. Cette chose, elle a réussi à trouver. Je suis la big boss et quoi. Donc du coup, on venait là. Et à moi de fermer les yeux. Dernier un truc gluant, hein, cette fois-ci. Hop, par la peur. Qu'est-ce qu'on pose de moi? Non. T'es prête? Une hanche, ça se porte, c'est un panier. Ouais. Ah, non, c'est un panier bizarre. Qu'est-ce que c'est? Un panier cassé. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas une bête à l'intérieur du verre. C'est une grosse araignée, une migale, un serpent, un capard. Non, mais t'as trouvé. Hein, c'est ça, c'est un panier? Ouais, on pourrait appeler ça un petit panier, mais ouais. Je sais pas, moi. Ok. Un petit panier, ouais. Ouais, mais je fais où ce panier?
On aurait dit un truc cassé, genre. Mais j'ai trouvé. Et bah ça fait 5 à 6. Et oui, tu m'as donné ton point tout à l'heure en lâchant la fourchette. Ah ouais. Alors j'avoue, elle a gagné. Elle est trop forte. Et juste parce que j'ai fait tomber une fourchette quand même. Sinon j'étais pas loin d'avoir gagné aussi. Hein. C'est vrai. Mais d'où on met une fourchette aussi? Des fourchettes, c'est visqueux, c'est... Non! Pas une fourchette! Je savais pas que tout était visqueux avec toi. Hein. On aura appris qu'aujourd'hui tout était visqueux avec elle. Ah mais il y a des trucs, ça a des textures cheloues hein, au début, quand c'est froid. T'as dû la faire chauffer avant. Je sais même pas quoi faire de mon petit panier là, ça fait une heure que j'en ai même, je sais pas quoi. Bon, et eh ben, hein, voilà, on va le mettre là. Ok. Et bah, sur ce, bah, t'en as pensé quoi, ton petit challenge? Ouais, bah, c'était rigolo, effrayant, un peu, hein, aussi. Original. Et original, moi j'aime bien. Ok, ça marche. Si jamais vous, ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'on refasse une autre, avec d'autres éléments, peut-être, qui font plus effrayants ou autres, qui font plus... On monte le level, quoi, là on était gentil, on va dire. Ouais. Et qu'on monte le level à chaque fois, on cherchera... ce qu'il faut et voilà. Je vais chercher une araignée dans le jardin. On va voir si elle trouvera pas ce visqueux. Ah, tu fais ça mais tu me revois plus. En fait, j'ai jamais touché une araignée mais dès que j'en vois une, tu es en mode tu restes là-bas toi, tu bouges pas. Hein. Bah sur ce, bah, je vais vous laisser liker, commenter, vous abonner, tout le tralala que vous connaissez déjà. Sur ce, je vous dis à la